La politique agricole commune est une politique européenne fondamentale. D'abord parce qu'il faut garder une agriculture puissante en Europe pour nourrir le monde. Il y a une croissance très rapide de la population mondiale. Les terres arables sont limitées. L'eau est rare. Et l'Europe doit garder sa capacité productrice pour pouvoir nourrir ceux qui, dans le monde, ne le peuvent pas naturellement. La deuxième raison pour laquelle nous tenons à ce que la PAC continue, c'est que la PAC aide à maintenir sur le territoire français en particulier et européen en général des surfaces agricoles entretenues qui participent à la conservation de la biodiversité, qui participent à l'aménagement du territoire, qui participent à l'équilibre général du pays. Et puis la troisième raison est une raison d'emploi, parce que nous pensons qu'il est utile de conserver un emploi rural et de pouvoir corriger les imperfections d'un marché agricole qui est très erratique par nature, en apportant cette correction, garder des populations qui se consacrent à cette activité à haute valeur ajoutée, qui est l'agriculture.